Bonjour YouTube, bienvenue dans ce nouvel épisode où je suis toujours perdu. Non, là je peux pas remonter. J'essaye de comprendre ce que je dois faire en fait. Est-ce que tu connais ce jeu, Stefka? Ah oui, non, mais c'est bien là. J'avais raison. C'était bien ici que je devais aller. Juste, c'est pas le moment. C'est un jeu en fait très étrange, sans trop d'explications, où on se retrouve une espèce de petite fille ou un petit garçon. Pour moi, c'est une petite fille, je sais pas pourquoi. Qui se retrouve dans un monde étrange avec des gens chelous. En fait, on est là, on sait pas trop pourquoi. Et ils font des trucs bizarres aux petits enfants. Ils font des trucs très bizarres aux petits enfants. Je pense que là, on peut récupérer ça, le prendre et le jeter là-bas. Non, raté. Je voulais le jeter. Comment on fait pour le jeter? Vas-y, va là-bas. Alors là, il faut. J'arriverai jamais à monter. Je suis du coup je suis embêté. Je me suis fait bouffer. Faudra que j'attende. Du coup, il y a plein de trucs un peu chelous, une ambiance un peu morbide. On sait pas trop pourquoi on est là, qu'est-ce qui se passe, pourquoi ils font des trucs bizarres à des enfants, est-ce que c'est vraiment des enfants? En fait, peut-être que j'amène ça encore plus loin. Non, il m'a vu. Je m'attendais pas à ce qu'il arrive là. Et je m'attendais pas à faire une glissade comme ça aussi. Disons que là, c'est moins dégueulasse que ce que ça peut être. Ça a déjà été plus dégueulasse que ça, depuis le début de l'histoire. En fait, il est aveugle. Donc, il nous voit au son et à l'odeur. Faire de bruit. Là, je marche sur un tapis, donc c'est bon. Ça, je peux l'attraper et le jeter. Non, c'est pas comme ça. C'est comme ça. Vite, vite, vite! Et il a des grands bras quand même, donc il va falloir que je me dépêche. Mais le jeu est plutôt bien fait, parce que là, tu vois, j'ai trouvé la sortie assez facilement, sans la connaître. Donc, même si les ennemis ont le Wi-Fi, au moins on a le game design qui est bien fait. Ok. Tu vois, en termes d'ambiance pas ouf là, on est pas mal ici. Et encore, ça va, je trouve. Mais il y a des trucs bizarres. Les horloges pendues, c'est pas. C'est pas génial, génial. Hein. Non, il est pas trop frustrant. Je me casse. Il est pas trop frustrant. C'est plutôt des moments de stress, donc c'est pas plus mal si c'est pas frustrant. J'ai aucun endroit pour me cacher, hein, donc il va me bouffer. Hein. C'est peut-être pas par là que je devais aller, je pense. Il tourne plutôt bien. Là, il m'a entendu, je pense.
Bah j'ose pas trop passer la tête, mais au bout d'un moment, il va bien falloir le faire. Et surtout, les vibrations dans le jeu sont assez importantes. Ah bah, j'imagine que là, en fait, c'est le moment pour y aller. Les vibrations sont assez importantes, marchent plutôt bien. Ah ouais, il va falloir que je lance une chaussure là-bas. C'était trop tard. Et il est très intuitif sur... Merde, mais c'est pas ça du coup. Ça doit être comme tout à l'heure. Genre c'est ça, mais je suis pas bien... Bien placé. Bah bonne soirée à toi du coup. C'est pour terminer ma phrase, il est très intuitif, les déplacements se font assez naturellement. Vas-y, les horloges, s'il te plaît. S'il vient ici alors qu'il a aucune raison de venir ici. Bonne soirée à toi du coup, Steph Core. Les horloges ne bougent plus. De toute façon, on va s'arrêter au bon moment aussi. J'ai un FF14 à jouer. Ok, il y a un piano. Non! Mais il se jette. Mais c'était pas le but! C'était clairement pas le but. Où est-ce que je réapparais? Si je réapparais tout au début, je pense qu'on arrête le live ici. Non, c'est bon. J'ai pas envie de me retaper ce passage. Ah, il y avait un gamin. Ah, mais il y a un truc là. On peut y aller ou pas? Pas du tout. Hop. Moi, je voulais pas du tout me jeter en fait. Hein. C'est lui qui s'est jeté. Moi, je voulais monter tout en haut. Voilà. Forcément, ça fait du bruit. On va monter. Quel enfer. Ah, mais il est là, salaud. T'es pas obligé d'être là, hein. Il y a une manivelle à mettre, là. Ah yes, je vois déjà qu'est-ce qu'on va devoir faire. On va devoir trouver une manivelle à peu près dans la pièce où lui il est. Alors du coup ça va être fun. Pour ensuite faire monter le piano. Et qu'est-ce qu'il fait? Il choisit des livres. Comment on va faire? Oh, mais il respire tellement fort. Ou alors, faut qu'on passe par là-haut? Sur la pile de livres? Faut qu'on passe sur la pile de livres. Je n'étais pas sûr. Le chien fait des bruits qui, du coup, me stressent. C'est pas moi. C'est pas moi. Regarde, je suis pas du tout là, je suis en train d'allumer une bougie. Ah mais... Ok, mais j'ai résisté à son attrapage sur une raison très étrange, que je n'aurais pas dû. Est-ce qu'il vient me choper à cet endroit-là?
Moi, je voulais juste allumer la bougie parce que j'aime les bougies. J'ai envie d'allumer les bougies. J'ai envie de faire cette chose. Ok. Donc ça c'est fait déjà. Ensuite je pense qu'on peut descendre. Poser le jouet ici. Non. Ok. Peut-être aller jeter ça là-bas. Là, je vais probablement faire tomber un truc, ça va être compliqué. Non, c'est bon, ça s'est bien passé. Vas-y, monte, 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 monte. Ah mais lui, il peut ouvrir la porte? J'avais pas du tout pensé à ça. Et monte. Je sais pas comment faire. Bah, à part faire du bruit avec, pour l'instant j'arrive à rien faire. Hein. Ça risque d'être compliqué. On doit s'arrêter là en plus. Merci YouTube d'avoir regardé. Au prochain épisode. Bisous.